ou ancien PM qui gagnait et on sait des privilèges là toujours selon ça qui est écrit parce que en tant qu'ancien tout ancien premier ministre mais il doit me avec 350 000 gouttes pour pendant 2 ans pour gérer etc et il y a encore de base encore il y a encore pour tout le temps on va faire 350 000 gouttes qui c'est tout qui est là ancien PM ou ancien ministre affaires étrangères bon moi à la fois ancien premier ministre et ancien ministre affaires étrangères. Et question privilège, il importe peu pour moi, parce que moi, je crois que privilège et l'État, bon, moi, déjà, c'est que je fais toute étude dans le lycée, je fais reste étude dans la CTPEA, je vais me payer. Et ensuite, bon, je vais voyager, je fais maîtrise, je fais doctorat, tout sans payer. Et grâce à l'éducation que je vais recevoir en Haïti, donc c'est privilège qui est plus important. Mais et là, il y a un ancien premier ministre. Ancien ministre affaires étrangères. Vous avez des bonnes discussions sur ça, Cependant, non, c'est pas que je veux les bons privilèges. Les moins sortis OEA avec Bedford Claude et puis ministre justice là pour nous rencontrer avec le secrétaire général OEA pour effectivement et nous demander pour OEA participer à l'organisation hémisphérique là, participer dans l'enquête là, aider nous jeunes justice au niveau international. Et avec effectivement un document bien écrit que nous avons déposé dans l'OEA. Et la primature, le gouvernement, il est fâché. Et pendant Washington, dans l'OEA, il a rappelé la sécurité qui était attachée à moi et le matériel qui était dans l'OEA. Mm. Donc c'est une façon pour être vulnérable pour peur tout était Washington va rentrer. Ou bien si rentrer pour me connaître déjà qui ça qui sort, qui est réservé à moi. Et c'était bien compté, mal calculé. Non, c'est pas important pour moi. Et question ça, yo. Et j'aime d'où là, ça qui est plus important pour moi, c'est privilège d'État, c'est bon, moi déjà, yo. Et moi, satisfait à ça, au bon, et qu'on y a, c'est moi qui ai plus mal l'État. La relation était toujours tendue comme ça avec Ariel Henry, dès le départ, avant le président de faire choix de dit. Mais c'était AI comme premier ministre. Au contraire, c'était avec un peu élégance, pas oublier que nous avons fait un truc pour nous saluer, n'est-ce pas, la nomination d'Ariel Henry. Et moi, c'est seul premier ministre sortant qui pourra rencontrer et Jovenel Moïse organisé pour nous deux pour rencontrer la Kaili. Et Jovenel Moïse a dit, premier ministre, écoutez, Claude, c'est le premier ministre le plus élégant que jamais connaît. Et monsieur Pat fait obstruction, bien entraver processus dialogue pour me dire notre premier ministre. Au contraire, monsieur Gain là, 30 jours, sur 29 jours, il fait une conférence pour le rappeler acteur politique. N'est-ce pas que les temps arrivé, il faut que je nous gens et je nous consensus. Donc, c'est au nom du principe ça. Et même les moralités nous fait passation, ou est-ce une passation qui était fait très douce avec le premier ministre, mais nous venons de deux mondes qui a collaboré ensemble. Maintenant, ça qui est irritant dans le comportement, c'est il y a des têtes sur la question de justice pour Jovenel Moïse dans les plateformes internationales. Chaque fois qu'on voyage, ils sont casse-tête pour la primature parce que vous connaissez que je vais parler de Jovenel Moïse. Et ça, c'est un véritable irritant pour le premier ministre. Et qui pourra gagner de révélations très sérieuses sur lui, dans l'implication présumée de l'assassinat. Nous allons gagner pour nous venir tout ça. Mais maintenant, on nous venir sur la nuit 6 à 7 juillet, où c'était premier ministre AI, c'est-à-dire que vous êtes en poste comme deuxième personnalité politique pays, et où tu es aussi chef conseil supérieur pouvoir, mais chef conseil supérieur police nationale, là, CSPN. C'est-à-dire que vous êtes pouvoir, vous êtes au courant de ce qui a passé dans le pays, puisque vous étiez premier ministre. Dans la nuit 6 pour ouvrir 7, vous êtes en conversation avec Jovenel Moïse, n'est-ce pas ça, ou bien avant? Malheureusement, non. Malheureusement, et dans la nuit 6 pour ouvrir 7 juillet, mon pâte personnalité que le président est quoi que pour le dérêler. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et en tant que premier ministre démissionnaire, moi j'étais déjà début de sorti la caille président le samedi 3 juillet, ensuite le 5, que arrêté à venir sortir, moi, et de façon un geste élégant, il y a besoin de ministre. Fait ça, mais vous voyez tout matériel dans la primature. Tout ça veut dire m'envoyer machine, donc je n'ai pas de sécurité encore, moi dis non, et arrêter à sortir. D'ailleurs, depuis samedi, je suis sorti avec le président Jovenel Moïse.
moi te connais pas le nom Ariel, moi tout passé par tout FM dans Brumature. Dans lundi, moi voyais tout causer machine dans Brumature. Donc, il y a plusieurs raisons, parce que dans un moment, comme moi-même, moi c'était un premier ministre en fonction mais démissionnaire, parce qu'effectivement, il y a un premier ministre qui désignait. Et le président pensait que ça m'a étudié psychologie président, je crois que c'est un monde qui gagne zam pour le relais. Par exemple, chef la police là qui gagne Léon Charles, qui lui-même capable de relais commissariat qui vibrait pour t'avouer, même si lui-même n'est pas capable d'arriver à temps. Donc malheureusement, et alors moi-même j'ai fait un pile tentative, parce que je m'apprends que j'ai tiré le code président. Qui est venu mettre au courant de ça? Et mon cher. Et qui est-ce? Mon cher, moi t'ai couché, et puis mon agent de sécurité qui frappe pas moi. Coco, qui frappe pas moi. Et puis moi levé, monsieur dit, mon cher, moi t'ai tendé tirer pour la caille président. Et même monsieur dit, ça, le film dit, on t'a tiré pour la caille président, mais monsieur dit, ça, que, mais ou même, ou, la baguette, il y a un bon ici, il me dit, non, mon cher. Si je tire pour la caille président, moi-même, je ne pas, ok, côté mia. Donc, mon cher, moi m'étais radis sur moi. Et puis, il m'a fait coup de fil. Donc, on peut imaginer qui est-ce que je prélais avant. Je prélais chef sécurité. Je prélais ensuite Léon Charles. Et effectivement, appel est parti comme ça. Moi, tout de suite, je me dis, Léon, ça qui a passé là. Je me dis que je vais tirer votre président, il va aller, etc. Parce que lui-même, il va aller trop loin dans Vivi Michel là. Donc, et puis moi, je m'a fait de manœuvres pour me quitter la caille. Parce que par contre, qui ça a fait, effectivement, m'a fait de manœuvres. Et puis, je téléphone à plusieurs monde pour me contacter. Vous êtes d'accord, vous mettez à couvert? Vous mettez à couvert, évidemment, parce que je ne sais pas qui ça a passé. Okay. Donc, moi, je suis en contact avec le fils de Jovenel Moïse, qui était Jovelin, et qui parlait même information à 5 heures, qui confirme même que son papa a été assassiné. Et c'est à ce moment que nous parlons sortir. On communiqué qui dit que effectivement l'année commencée moi gagne contrôle moi vienne pas le ministre intérieur Léon et moi connais gagne pile manœuvre qu'a fait sur instruction pour barrer tout en haut et puis moi dit peuple haïtien écoutez en communication politique en temps de crise on dit écoutez tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Et ce tout est sous contrôle là, oui. Il n'a pas le gain permettre que effectivement deux anciens ministres cap couru, deux anciens sympathisants au président Jovenel Moïse qui étaient commencé par le Marquis, deux monde qui pensaient qu'il va le craser, briser, etc. Donc moins rassurer la population et les 72 heures qui suivent, vous remarquez que tu es en communication constante avec la population et ces populations pour l'accompagner nous arrêter quelques mercenaires. Qui doit parler avec Léon Charles dans ce soir? Moi parler avec Léon Charles tout de suite que les amis ont fini de dire ça. Moi pensais que je parle avec Léon Charles dans les environs de 1h30, 2h du matin. Mais tout de suite que je finis les parce que moi m'a payé arrangé. Tout de suite moi parle avec Léon Charles. Ça veut dire Léon Charles pas suivre l'information ensemble avec vous jusqu'à 5h du matin ou 10 ces petites plaisirs pour confirmer ça? Non, Léon Charles lui-même. Léon Charles lui-même, il va aller sous lieu. Maintenant, pas oublier, m'a pris Léon Charles en pile, parce que par intermittence, m'a pris Léon Charles. Léon Charles, on l'autre monde qui était sous ligne là. Léon Charles dit que, il a bloqué là, parce qu'il a dit que c'est dit. Il dit non, mais. Il a bloqué le personnellement lui-même? Oui. Il dit, quelle est cette affaire que il a bloqué ou c'est dit? Et Léon Charles, il faut qu'on fasse une interview avec lui. Il a bloqué le parce que c'est dit. Il me dit, mais, le monde qui était sous ligne là, il me dit, mais président, on dit les drogues. Comment il a bloqué, c'est dit. Donc, là, c'est le premier, on est capable de dire, il fait qu'il va à la voie. Pourquoi tu es le président? On tente un pile. Tout de suite, après, on tente. Mais on ne va pas jouer. On tente, moi les madame n'aime pas qu'à jeûner, on tente, moi les présidents n'aime pas qu'à jeûner. Qu'est-ce que c'est que notre chef sécurité président, par exemple, Dimira, UGPN ou bien la gueule? Alors, ça qui est, USP. Pour la gueule, je ne connais pas le numéro de téléphone, monsieur. Et moi, et parce que mon quitté avec moi, moi, les Dimitri Hera, monsieur dit non, on n'a pas gardé tout le bagage là, monsieur, pas, monsieur, fait mes téléphones, on ne va pas aller. Donc, tout le bagage a baissé, regardez, on n'a pas tout le bagage sous contrôle, monsieur, pas parler. Non, et matin encore, moi essayer de Dimitri Hera à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché, puisque moi j'étais au téléphone, je ne connais pas le téléphone de la guerre civile, et c'est jusqu'après
et la guerre civile pour laisser contacter moi, etc. Pour dire que même comment va y passer, comme si son monde qui a prouvé innocence et fait de l'autre pour nous contacter moi, etc. Pour moi, ça qui est plus important, c'est pour la guerre civile. J'étais avec Léon Charles pour regarder résoudre la situation qui est. Mais ça qui est plus important, c'est que moi, je prends des dispositions sérieuse avec la police nationale d'Haïti pour nous arrêter Colombie. Je dis à ces gars en vérité sur question ça, c'est grâce à effort et leadership moins pour monter éviter pays à sombrer dans le chaos. Donc arrêter Colombien, c'est ça qui va le permettre que nous gagnions une enquête, un travail impeccable que nos valeureux enquêteurs de la DCPJ ont fait. Et c'est travail ça, je dis à qui base et enquête là. Et c'est pas problème contre qui est-ce qui impliqué ou pas, parce que le travail de CPJ a dit tout le monde qui est impliqué dans le crime là. Maintenant, toute complication, c'est volonté politique, tout blocage, c'est blocage politique. Jovenel Moïse, te, qu'on dit, des complots contre les bureaux assassinés, il n'y a pas qu'à éliminer, etc. Donc, il y a des bagages qu'il a dit, qui t'a montré que les non situation de. Il a recevoir menace. Mm. C'est une carte interprétée de la déclaration présidente qu'on fait. Il était qu'on parle de ça ensemble avec vous. Écoutez, un président qui vivait sous pouvoir, qui constatait que l'État est capturé et que qui décidait d'établir une rupture. Un président qui choisit de couper une série de contrats juteux, une série de contrats léonins qui passaient entre l'État haïtien et eux-mêmes. Un président qui choisit de couper un contrat de 12 millions de dollars par mois, donc compagnie privée, qui était supposé bailler de service, qui pas jamais bailler de service là, le président ça connaît que sous tête, il gagne des menaces. Le président, c'est un monde qui est extrêmement intelligent, il exprimait là plusieurs reprises, et effectivement, menacé tout le monde, il est passé en action le 6 à 7 juillet 2021. C'est droit dit, c'est là, assassinat président, ce type, dans le contrat le groupe. Non, moi-même, m'a dit que. Faut préciser, non, pas dit ça, parce que là, c'est des accusations qu'il va faire. Oui, non, écoutez, moi-même, moi pas fait des accusations, gagne son crime qui est transversal, qui traverse des secteurs économiques et des secteurs politiques. Et ça, c'est clair. Le rapport de la DCPJ est clair. Le secteur privé haïtien, une partie du secteur privé haïtien, avec des oligarques corrompus, participer dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Non, yo là, yo gen gros et compagnie en Haïti. Yo nan contrat, yo nan rapport. Donc, ou gen le rapport de la DCPJ, mais ou gen des secteurs politiques tout. Ou gen John Joel Joseph qui sont ton côté, ou gen Joseph Félix Badjo qui sont ton côté, et le PM Ariel Henry qui sont dans le même camp politique, ou gen Jacques qui ses amis Michel Mantelli, ou gen des secteurs politiques qui ont même parti, ou gen Dimitri Roy, qui s'est choisi du président Mantelli, c'est-à-dire que qui c'est petit, on est capable de dire, qui participe dans l'assassinat. Petit Mantelli? Je ne sais pas, c'est pas petit Mantelli. Non, non, pas c'est petit Mantelli, mais Mabdou, que c'est un monde qui, lui-même, c'est sécurité, président Michel Mantelli. Donc, c'est un monde qui participe dans le crime. Donc, d'abord, un crime transversal avec des secteurs politiques, ou pas le gouvernement Ariel Henry. Qui ça qui entend, qui ça qui réunit des forces politiques vraiment opposées, PHTK et des secteurs politiques qui étaient toujours opposés à PHTK et Jovenel Moïse, sont ceux-là qui réunit. C'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est un bon débarras pour certains qui n'ont pas participé dans l'assassinat et pour d'autres qui ont participé et d'autres qui protègent les assassins. Et donc, c'est ce gouvernement qu'on a là aujourd'hui. C'est ce gouvernement qui voulait organiser le 7 juillet et les examens du bac. Tout simplement pour apprendre à nos enfants comment banaliser l'assassinat d'un président de la République. Ou comme quand Dazou mettait plusieurs têtes dans seul panier là, on parlait de secteur privé qui était contre 12 millions, on parlait de Dimitri Rara qui s'était Mantelli qui était Mettel, on parlait de Mantelli, on parlait de forces politiques, et on parlait des forces comme on dit qui partent dans le passé et qui partent jamais rouler ensemble. Pour se mettre tout ensemble là, vous mettez assassiné le président. Mais voilà, et Robinson et Geoffroy. Moi, tu as aimé que vous lisez le rapport de CPJ. Je suis certain que vous lisez. Oui, oui. Et gardez pour vous comment le crime transversal. Gardez pour vous qui rapport, par exemple, John Joel Joseph Takagayen et avec Jacques, par exemple. Qui rapport John Joel Joseph Takagayen avec Dimitri Ira? Mais gardez pour vous. Gardez la transversalité du crime. Il faut regarder la transversalité du crime. Maintenant, ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un gouvernement qui protège et qui fait obstruction à la justice. Et les obstructions à la justice sont claires.
D'abord, la révocation, et nous sommes capables de dire, de l'ancien commissaire du gouvernement, révocation ministre, ministre ancien ministre de justice, mm. Parce que tout simplement, Claude Bedford écrit DGCL, vous le dit, ban moi communication avec Badiou, et le ministre de justice qui m'a dit PM à répondre à la question de la justice. Donc écoutez, et ça qu'a fait là, je dis à tout le monde le connaît. Et tout le monde connaît d'ailleurs, tout le monde, même si la DCPJ n'est pas impliquée Ariel Henry comme on présumé suspect, ou qui suspecte l'assassinat, mais le comportement d'Ariel Henry par rapport à la justice, par rapport à l'enquête, est clair. Non, mais sur aspect ça, et de façon spécifique. D'accord. Mais comment expliquer dans le 6 pour l'entrée 7 juillet, USGPN, ISP, vous croisez Boyo, vous quittez votre président, et vous quittez votre président, la CAIDI ou tout. Comment expliquer ça? Écoutez. C'est 20 millions de dollars qui passaient, d'après un investigateur dominicain, un monde qui est spécialisé dans la question ça, qui passait dans les banques dominicaines et de la République dominicaine pour assassiner le président Jovenel Moïse. Tout au moins 20 millions de dollars. Et ça n'a pas compté de l'autre bagaille. Ça veut dire son crime, son plan qui est bien organisé. Donc, il y a un monde qui dit par exemple, ou TCSPN, qui s'acte l'intelligence ou. Mais en même question, on a posé tout. Mais c'est le président qui a été assassiné. C'est-à-dire que est-ce que le président n'a pas, il n'est pas gagné disposé de l'intelligence? Non, mais la primature, il y a un service d'intelligence. Justement, qui dans ça. Justement. Alors, aucun bagage qui te permet de ça. Relativement, et un peu le problème, par contre, on est ça, mais non, pas de gagner moi-même, par exemple, je ne connais pas, je ne pas oublier que le plan me précède comme ministre et comme premier ministre. Pas oublier que, et j'ai fort, que Colombiens, etc., rencontre remonté à 2020, n'est-ce pas? Est-ce que nous songez ça? Mais laisse ça, on ne pas de premier ministre. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de bagages que je ne connais plus. Gardez rapport. Et Jake Johnson produit une très belle, et m'a félicité lorsque il était branché question à ISNU. Jake Johnson produit un papier, un article assez intéressant, qui établit le lien entre le coup d'État du 7 février et l'assassinat du 7 juillet. Donc, on ne peut pas qu'être on de passer en dérision, dénonciation de coup d'État ça, et détournement de, et pour te détourner coup d'État ça. Alors, ce que c'est même mieux, c'est même acteur. Bon, on regarde à l'époque où tu viens en Dimitri Hira, un superstar qui comprend tout t'écraser mouvement, qui t'écraser. Ou bien qui prétend que le t'écraser. Ou bien qui prétend que le t'écraser. Donc, peut-être que c'est son tour que tu as fait avec le président Jovenel Moïse. Est-ce que vous comprenez son tour? Donc, ça veut dire que c'est transversalité criminelle importante pour nous regarder. Est-ce que dans la période ça, et dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, vous avez senti que vous êtes en danger de mort? Bon, bien sûr, c'est peut-être que mon cas, pendant 6 là, je passe dans n'importe 4 cailles. Pendant 7 là, alors 6-7. Dans la soirée là? Oui, dans la soirée, je quitte cailles, mais toujours dans la zone là. Je quitte cailles, mais dans la zone qui est tout près. Chef de sécurité me dit, mon cher, qu'on y a une peur à l'agent de sécurité qui avait mieux. Oui. Donc, qu'on y a, moi, prends frère là, avec chef de sécurité là, pour aller dans l'autre caille. Vous l'avez vu dans l'autre cas là, je me sentis que deux personnes qui avaient mieux pas suffit. C'est vrai, je peux sécurité mieux, mais deux personnes qui avaient mieux pas suffit qu'on y a. En fait, sécurité qui c'est des agents, police nationale, spécialisés et primature qui t'a pas. Donc, on y a moins peur parce que nous avons démarqué sécurité mieux. Nous commençons à démarquer. Lorsque deux personnes qui levaient, qui a fonctionné avec moi longtemps, nous démarquons. Qu'on y a mal la caille assistante moins. Les mouvements encore, moi, ouais, la caille assistante moins, de mon côté, je vais engager une sécurité. Vous bougez encore. Moi, bouger. Je vais entrer dans l'autre zone, dans un petit coin, dans un petit caille qu'on a mis, dans un petit coin. Et là, parce que tellement je passe un peu la barrière, je commence à sentir ma sécurité là. Et c'est là, je vais prendre toutes les dispositions dans ce caille là. Parler avec mon, parler avec Rénal, etc. Comprendre ce qui a passé par la petite président. Et puis, on va venir comme nouvelle là, et puis on apprend les dispositions qui s'imposent pour éviter que le pays sombre dans le chaos total et l'anarchie. À quel moment on a dû parler avec Ariel Henry pendant déroulé ça? Oui, pendant déroulé, moi, m'a brûlé, Ariel, m'a dit, écoutez. Avant une confirmation ou bien après une confirmation? Non, pas qu'on connaît, parce que je me suppose que là, on était capable de parler avec Ariel dans les environs de 3 heures, 2 heures, etc.
Et puis c'est rapide pour me dire, Premier ministre, est-ce que vous entendez ça, m'entendez, à savoir, à tirer beaucoup de cas président. Je dis oui, m'entendez, le même dit moi-même, et ma PC mettez mal à l'abri. Et puis nous ne pas parler encore. Donc, et c'est rapide, nous ne pas parler encore. Donc, c'était la première fois dans le jour que je parle avec lui. Après, je ne pas attendre du tout. Hein? Mm-hmm. Toute action que je prends, arrêter Colombien, prendre des dispositions, déclarer état de siège, Ariel Maron. Mais qu'on y a. Maron, avec... c'est beaucoup dire. Peut-être qu'on va te contacter le tout. Non. Même pas pour me contacter, l'écouter. Parce que c'est ça, qui ça qui rêvait? Je suppose que Ariel disposait beaucoup plus d'informations que moi-même comme ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il a parlé à Abadio, le responsable de cette opération qui était pour tuer le président. Donc lui-même, il a parlé à Abadio. Donc c'est-à-dire que lui, il disposait de certaines informations. Donc il avait raison peut-être lui-même pour le courir. Parce que il était caché de... Vous ne savez pas? Bon, en tout cas, moi-même, ça a rapporté, mais c'est que il était prêt. Peut-être que tout, le plan, c'était probablement pas d'assassiner le président Jovenel Moïse, c'était de kidnapper le président. Mais peut-être tout, que Colombien était bien pour Marron et aller. Mais là, quand on n'a pas arrêté Colombien, m'a fait une série de bagailles. Probablement, le Premier ministre croyait que je disposais de certaines informations compromettantes de lui-même. Bon, ça, c'est une interprétation. Mais c'est une interprétation. Maintenant, vous avez parlé avec Martin Moïse pendant des roulées. Non, malheureusement. Malheureusement, nous n'avons pas parlé. Si c'est, vous n'avez pas parlé à ce moment-là. Non, nous n'avons pas parlé. On parle de en 2021. 6-7 juillet 2021, vous ne pouvez pas parler avec. Non, je ne peux pas parler avec pendant la soirée. Mm-hmm. Mais maintenant, le matin, je peux aller dans l'hôpital, il y a un moment. Pourquoi il y a un monde qui était avec elle qui passait? Je ne peux pas parler avec elle. Et il a parlé, et de temps en temps, la fonte est coupée. Par contre, s'il a bien disposé de temps en temps, mais de temps en temps, la fonte est coupée. Et voile pas qu'à sortir bien. Ça le tout. Vraiment, voile pas sortir bien. Moi, il connaît que moi, et à disposition pour moi, occuper un ensemble de bagailles. Mais et la première dame était un peu, on était capable de dire, et il y a des gens qui étaient avec qui dit de temps en temps, l'a indisposé. De temps en temps, l'a indisposé, etc. Et c'est peut-être ça, parce que moi-même, j'ai besoin de confirmation. Bon, côté, mais je n'aime pas quand j'ai une confirmation que le président a assassiné. C'est le fils du président qui m'a téléphoné pour me dire que, et pour dire, est-ce que c'est. Il dit, oui, le président est assassiné. Okay. Maintenant, vous reconnaissez que le président est assassiné, vous connaissez qui responsabilité qu'on vient de gagner, puisque c'est vous-même qui êtes en poste, même si vous êtes démissionnaire. Ou t'es convaincu, si je ne peux pas dire ça comme ça, qu'on nous a dit prendre le pouvoir, qui première action t'a mené dans le président? Et non. Et lui, le cahier président, ce n'est pas du bagage qui gagne qui concerne. Son lieu du crime. Ou pas passer aucune instruction? Non, la justice lui-même, lui prend disposition pour le prendre avec le ministre de la Justice. Et moi-même, moi quitter la justice pour travailler. Non, écoutez, si je suis allé dans le lieu crime, je dis, je n'ai pas de pour laver. Pour qui sont Premier ministre pour le faire dans le lieu crime là? Ça, c'est question de la justice. Alors, même là, on parle dans le lieu crime là, assassin tué le président Jovenel Moïse, il y a des éléments de langage qui a mis. Tu as souhaité que ce sont les victimes, n'est-ce pas, qui s'est transformé en bourg. Ou bien tu as même transformé les victimes en bourg, n'est-ce pas? Donc, j'ai laissé cette affaire à la justice haïtienne qui a évidemment su faire ce que devait faire. Est-ce que vous estimez le rapport de CPJFA, le rapport aux affaires criminelles dans le bureau de CPJFA, est complet? Je ne peux pas dire ça. Parce qu'il y a des informations que moi-même je ne dispose pas. Je ne peux pas dire ça. OK? Ça, c'est pour moi extrêmement important. Mais moi, je crois que l'agent de CPJ a fait un travail impeccable. Par contre, si l'enquête-là est exhaustive, et le rapport est exhaustif, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail sérieux de nos valeureux enquêteurs de la DCPJ. Malgré les intimidations et les provocations, bien sûr. On dit ça. Et avant ça, vous êtes venu parler, vous êtes venu Félix Badiou? Mon cher, ça arrive, c'est que je fais 10 ans dehors. On est dans l'étudier, on fait maîtrise, on fait doctorat, et puis tout été, on va enseigner à l'université aux États-Unis. Donc, il y a des gens que je ne connais pas. Tant que Félix Badiou dit son véritable opérateur, même pas je ne connais pas. Je ne connais qui est Félix Badiou. Mais entre-temps, vous venez entrer, vous venez faire un bon titre dans les affaires étrangères, vous venez monter bureau, vous venez premier ministre, et AI, pour que j'aime en contact avec lui. Non, du tout, je ne connais pas. Et puis, je n'étais pas l'homme, et je n'étais capable de dire. Et c'est peut-être ça que tu fais me croire tout.
À ce moment, je ne pouvais pas être un premier ministre de consensus. J'étais un premier ministre qui défendait Jovenel Moïse, qui défendait, bon, capable de témoigner son mandat, échéance constitutionnelle. Nous tenons une véritable bataille qui fait que nous déparaissons très partisans et un jovenéliste, nous sommes capables de dire farouche. Donc, à ce moment, même si le conseil de mon secteur politique la commune avait même été trop embarqué dans la défense du président Jovenel Moïse de sa cause contre les oligarques, parce que moi-même, c'est presque ça qu'une thèse doctorale, moi également. Donc, ça veut dire que moi, j'étais croué dans mon bagage, et académiquement, et cause ça, nous venons porter le politiquement. De la foulée, nous venons de une Noticias Caracol, journal dominicain, ça, qui sortit un article, côté que, yo indexé au assassinat, yo dit côté au courant, yo même parlé d'implications résumées au assassinat président. Oui. Alors, première question que vous devez poser, et comme nous t'ai fait tout à l'heure, c'est pour qui ça, journal, ça va dire rien encore. Et depuis le premier ministre. Mais écoutez, vous connaissez bien pile, mon canal est assez chargé en termes de journalistes internationaux que je avec eux. Et première explication, c'est que moi, je pensais que je trompais de bonne foi. Et il n'y a pas qu'à faire différence entre le premier ministre en fonction et le premier ministre désigné. Non, on va l'expliquer. Il n'y a pas jamais tourné sur lui parce que. Et il y a probablement que vous tenez sur lui parce que nous avons la justice avec vous. Ça, c'est extrêmement important. Mais et la différence entre le premier ministre désigné et le premier ministre en fonction, n'est pas capable de faire. Et au bal, ouais, ça, c'est à partir des déclarations de Jean dans le New York Times. Jean dit que Joseph Félix Badiou dit que le premier ministre Ariel Henry a assez de contacts pour sortir ou non, et n'importe ça, il est capable d'entrer. Donc, il y a des garanties. Donc, et les Colombiens savaient qu'il y a quelqu'un qui pouvait les protéger. Et évidemment, c'était le premier ministre Ariel, d'après Jean, avec Félix Badiou. Donc, le lien est vite fait avec Noticias Caracol. Et maintenant, des journalistes sérieux, compétents, internationaux, par exemple de Washington Post, etc., non seulement banaliser la question, mais ils vont chercher la même explication sur Samba Oua, parce qu'ils ont parlé avec une Noticias Caracol. New York Times, dans l'article de Météo, lui-même, il parlait d'une liste qui était gagnée en drogue dealer, la dernière, etc., et que nous avons cherché en Dakar. Martin Moïse, madame président, il répète ça tout. Vous comprenez ça? T'es une liste? Écoutez, Jovenel Moïse, ce n'est pas ton politicien. Jovenel Moïse, c'est un homme de famille qui soutient dans le pays en dehors, qui arrivait là, venu président, à la faveur d'une série de circonstances. J'ai venu président, peut-être j'ai choisi la partie de Bagouani, je pensais que son nez qui d'avoir dit oui à tout le bagage. Donc effectivement, au paysan, il était dessus. Et Jovenel Moïse, son nez qui était dessus, comme paysan. Parce que le dégon agenda, il était quoi dans deux bagages. Par exemple, courant 24/24, il était quoi dans la question route. Si vous regardez, par exemple, nous sommes bombardés de police, nous allons aller Gonaïve, nous passer sur mon chien. Seul un président fou, et pour plus d'un, qui n'a pas le fait mon chien, permettre que nous ayons accès à route. Et mon saïo, dans le bombardé de police, dans la causerie que nous avec eux, je dis, les confins, qui vont aller dans le marché, qui a passé mon chien, il faut que vous ayez chaque 30 minutes pour qu'on s'y arrive parce que n'importe côté le tombé, c'est bête qui a mangé. Donc, dans mon chien, il y a plusieurs autres noms et que vous avez une série de tirs et virer là-dedans, tellement de dangers. Donc, Jovenel Moïse fait autre ça. Donc, Jovenel Moïse, pas un président qui était vraiment, nous t'a capable d'y éclairer, pour le monter lisse, etc. D'autant que le président, il n'a pas de travail pour FBI et CIA. Donc, et à ce moment, si on focus sur question ça, c'est minimiser le fait que le président Jovenel Moïse tape bataille contre la capture de l'État, contre des avantages induits qu'on série de oligarques t'as bénéficié. Et c'est retirer oligarque dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et encore une fois, moi, je crois que très probablement, les journalistes font un travail assez intéressant, bien droit gagner des informations qui asymptotisent la réalité, la vérité, mais pas avouer que focus la fait sur ça. Martin Moïse parlait de liste, toi. Non. Est-ce que Martin Moïse parlait d'un document ou il parlait de liste? Bon, d'un document. Ouais, madame Moïse parlait d'un document, moins quoi ça, mais lui-même, il n'est pas connu contenu du document. Ça. Et c'est ça qu'il fait. Et dans l'interview que le fait hier, il a dit qu'il n'a rien connu. Qui est ce qui est dans le document ça? Quelles sont ces informations si compromettantes qui font qu'il est arrivé à retirer la vie à un président de la République? On nous vient de connaître un autre aspect. La justice.
Yon nan kote dossier avancé plus, c'est dans la justice américaine. Au départ, tout le monde était emballé. Yon était content, ouais, la justice américaine avance dans le dossier, et lui pas le fait ce dossier. Brip leur dans des bon, il a classifié bagay là, et pas un monde qui va le connaître, la justice américaine a enquêté effectivement, mais c'est un bagay qui va le mettre dur. Et nous même, ouais, la justice américaine nommé yon monde pour gérer le dossier ça. Souvent, c'est de avancer la justice, implication de la justice américaine dans l'assassinat président. D'abord, première et comme capable. Comment faire des questions, implication la justice américaine pas dans l'assassinat, ouais, mais dans l'enquête sur l'assassinat et dans le président. Non, non, d'accord, vous me comprenez ce que je veux dire. Non, et pour moi, m'a dit c'est que effectivement, moi si première action que me prend l'MDP premier ministre, c'est inviter FBI. Et c'est grâce à l'invitation FBI dans l'enquête là qui fait que quelqu'un est capable de possibilité ou même pour rentrer dans la question ça. Et non, niveau ça. Moi, j'ai invité, c'était un bagage qui était écrit. Et deuxième bagage que je vais faire, c'est demander l'ONU un tribunal spécial, même si on a été fait pour un pays Liban après 2005, les premiers ministres qui ont été assassinés. Parce que la justice haïtienne est faible, parce que la justice haïtienne se coupe réglée, et là, je prends ça, je prends une décision ça, et l'MD, le ministre des Affaires étrangères, demander l'ONU. L'ONU a été en fait prend toute disposition pour vous répondre. Parce que diplomatie te fait comprendre que tellement il y a un article qui est écrit sur demande ça, donc vous êtes obligé de réagir. Mais le premier ministre a appelé directement la représentante et spéciale de secrétaire général là pour dire écoutez, campez sur question ça. Campez sur question ça. Donc, moi, j'ai pour un ensemble de dispositions. Moi-même, comme moi pas seulement arrêter Colombien, qui te permettent que nous gagnions vérité sur le cas. Je dis, moi, invité FBI. Et pour gagner de. Et bon, le dire, président. Certaines vérités, puisque certaines vérités. Certaines vérités. Donc, le président colombien qui parle de RLM, pour le voir, on sait de spécialistes là. Tout. Or, le président colombien, c'est le monde qui était attaché, qui croit que ces Colombiens, ils ont effectivement participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, malgré a tenté, dit que c'est parlé, ils ont fait au palais. Donc, c'est pour nous qui ça, c'est pour nous que je dis, question la justice américaine, non, et moi, pensez que vous avez gardé comme un pas dans la bonne direction, mais pendant que vous étiez, moi-même, je dois arrêter ce soir, pendant que vous avez toujours été sceptique, mais la justice haïtienne américaine, contrairement à la justice haïtienne qui se coupe réglée, la justice haïtienne se coupe réglée, la justice américaine, pas mon monde qui dirige, comme si nous étions capables de faire un bagage, etc. Donc, moi, je crois qu'avec ces insights que la justice fait de dossier, tôt ou tard, a gagné vérité sous question ça. Et puis, il y a quelqu'un de monde qui est important. Il y a quelqu'un de John Joel Joseph. Il y a quelqu'un de Jar. Il y a quelqu'un de Palacios. Moi-même, je pensais que trois mondes à eux, c'est trois mondes qui sont extrêmement importants qui permettent que nous découvrions ce qui s'est passé là. Maintenant, la justice haïtienne. Avec une justice haïtienne qui, pratiquement, en tant qu'institution régalienne, qui plate à terre, et par contre, quel monde qui parle vite que le président Jovenel Moïse va contribuer à craser l'institution, notamment et la justice et d'autres institutions, je vais inviter aussi ça pour parler de l'héritage du président Jovenel Moïse, peut-être qu'il y a une autre émission. Et sur ça, la justice haïtienne, pratiquement, a marqué pas sous place. Cinq juges d'instruction ont passé ce dossier, nous, chaque la guerre qui déportait tête automatiquement, qui au bon dossier déportait tête guerre qui fait objet de poursuites disciplinaires devant et CSPJ, gagné actuellement là juste Voltaire qui commençait et tant de monde. Soit pas attendre. Bon, et encore, et ça moi-même capable de et nous autres de ça, la justice haïtienne se coupe régler. Et ou gagne un premier ministre qui est un véritable obstacle à enquête là. Et dernier juge qui travaille sur le cas, bon autre juge qui sortit des juges ça, qui dit que le premier ministre actuel c'est un véritable obstacle à enquête là. C'est le CNN qui se trouve sur ça. C'est juge Gary Aurélien qui fait déclaration ça, non, audio, que par contre c'est CNN ou l'autre qui a enregistré. Donc, et deux voice, messages vocaux qui presque dit même bagaille là. Maintenant, qu'on a l'autre juge qui se dossier, moi-même, et moi, souhaité. Juge Gary Aurélien Non, je finis avec juge Gary Aurélien. Oui, mais justement, juge Gary Aurélien, nous, ça vient de passer ensemble avec lui. Mm-hmm. Tout ça, pratiquement, tout section de l'eau discrédité de bonnes bagailles. Mais voilà. Le donc, dossier prend corps dans le même monde, selon le rapport LNDDH, il fait objet de. Gravissime. Devant CSPJ, là, il y a banqueté sous lit. Oui, gravissime. Moi, c'est que c'est gravissime. Toi, il est obligé de retirer le dossier à la même malgré demander un prolongement. Donc,
Oui, et c'est gravissime qu'on juge quoi que les capables riches sous dossier Jovenel Moïse. Or, moi je pense qu'on juge qu'à souci, on est capable de dire une personnalité extrêmement importante sous conduit enquête ça en toute impartialité. Moi reconnaître que tout juge qui vient là, qui sortit dans le dossier et déporte tête ou bien sortit dans le dossier, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage. Mais les non-dossiers dans l'enquête de CPJA, le premier ministre en fonction, lui impliqué, son présumé, implication présumée dans le dossier, il n'y a pas de juge qui a porté le dossier ça comme ça. Et je félicite, je voulais dire ça avec tout désintérêt, ça gagne, juge qui a accepté le dossier, malgré, et je suis capable de dire, tout ça qui vient comme menace dans le dossier ça. Et moi, vraiment espérer que c'est un travail qui va le faire avec un pile impartialité. Vous êtes au plus haut niveau de l'État, vous êtes dans la justice et platataire, et Denis Joussaro, là, il a toujours été platataire, et avec des dossiers pendant, devant la justice depuis 10 d'antan, ou quand vous regardez qui peut assassiner dans le pays, là, où il y a une beaucoup de gens qui vivent à procès, et que pour la justice fixer les responsabilités sur ça. Vous pensez avec justice ça, président Jovenel Moïse, il y a une justice familiale, il y a une justice? Non, c'est pas au niveau de la justice seulement, c'est pas la justice seulement qu'il faut confier, et n'est-ce pas, justice pour le président Jovenel Moïse. Non, mais c'est barrage qui fait, je veux dire, son barrage politique. Et nous devons comprendre que entêtement et intérêt Ariel Henry pour le rester sous pouvoir, pour ne pas organiser l'élection. D'ailleurs, il dit que faut qu'on résoudre l'insécurité, problème d'insécurité pour faire élection, mais c'est lui qui a résolu le problème d'insécurité. Donc, il retourne sur lui encore. Donc, et de l'autre côté, faire une commission médiation, et on est capable de dire qu'il vient dire que même celui-là, il doit faire 2 ans encore, et, ou bien pour 2 ans de transition de durée. Donc, c'est la ouais, seule préoccupation Ariel Henry, je dis, hein, c'est rester sous pouvoir. C'est la seule préoccupation Ariel Henry. Incompétent, incapable de résoudre le problème du pays, mais rester attaché au pouvoir, tout simplement parce qu'on doit organiser les élections pour protéger ses arrières. Parce que, écoutez, quand vous impliquez, et vous parviez devant la justice, vous parviez devant la justice, donc ça veut dire que tôt ou tard, vous allez répondre à la question de la justice. Donc c'est organiser des élections, faire de passation, on est capable de dire des élections truquées, faire de passation de pouvoir avec des personnes qui vont protéger. En même temps, tout le monde qui a cherché mobile pour Ariel Henry qui t'a poussé, entre guillemets, puisque n'a pas eu d'implication présumée, ou évoqué ça plusieurs fois, Martine Moïse évoquait le tout dans le député de semaine ça, mobile, ou monde qui venait du faux chef, il met au premier ministre. Ou t'as vu qui mobile qui t'a guidé ça pour que tu as participé ou bien impliqué dans l'assassinat? Monsieur Geffroy, il faut que ça claire pour tout le monde. Le président Jovenel Moïse n'a pas délibérément choisi Ariel Henry comme son premier ministre. Oh. Ariel Henry a été imposé au président Jovenel Moïse par le président Michel Martelly. Oh. Donc ça, c'est Dim Abdil Mouredil encore. Une anecdote pour qu'a appuyer ça m'a dit. Ma position par rapport à la République dominicaine, l'MD estimé que Abinadel a fait de Haïti un pion pour les capables de positionner la région, mais également par rapport à des insatisfactions qui existaient à la Kaili, donc causer Haïti à depuis le Kimbil, donc il fait venir paraître un peu populaire. Ariel Henry, vous voyez, Daniel Supplice a demandé pardon auprès des Dominicains. Et puis, moi, le premier ministre Ariel, vous me dites, écoutez, non, vous, on a, etc. Je me suis dit, non, pas occupé, Daniel Supplice, etc. Je me suis dit, mon cher, c'est le regret que je gagne. C'est parce que vous voyez Daniel Supplice en République Dominicaine, ça ne m'a pas contacté, Matéli. Ça ne m'a pas gagné approbation, Matéli. Dans le tout ça comme ça? Oui, il dit ça comme ça. Et le pauvre Daniel Supplice qui allait, qui a fait un travail assez intéressant. Eh bien, Matéli, comme déjà. Et bon, et là, moi-même, moins dur. Non, moi-même, dur, ça, et le premier ministre, Ariel Henry dit. Et c'est pour me dire que c'est un homme qui a été imposé au président Jovenel Moïse. C'est pas, il était capable de dire de façon. Je viens de me dire tout ça. Et alors, moi, je dis ça déjà, moi, je suis à moi-même.
Ariel Henry, président Jovenel Moïse, et une quatrième personne qui était beaucoup de temps. Et le président a expliqué comment il retournait, comme s'il était capable de tout ça, Michel Martelly était fait pour lui, avec Ariel Henry. Mm. Et avec Martelly. Donc, pour le choix de Ariel Henry. Donc, alors, une partie de l'opposition, mais vraiment, la partie faible de l'opposition, croit que ils ont participé dans le choix d'Ariel Henry. Alors, ce que le président Jovenel Moïse fait pour le capable calmer Mounio, c'est qu'ils ont fait plusieurs groupes rencontrés avec Ariel et puis ils ont pensé qu'ils ont participé dans ce choix. Mmh. Mais c'est un choix du président Michel Martelly. Et c'est, on croit que c'est sous forte pression. On fait une sorte d'analogie ou une petite réflexion par l'absurde, si vous voulez. Et Ariel Henry a été imposé, vous l'avez dit, par Michel Martelly, ancien président. Ariel Henry présumé impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Cela voudrait dire que Michel Martelly aurait quelque chose à voir dans l'assassinat du président? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas qu'à dire ça. Moi, que c'est la justice qui vous établit, fait ça, ou bien lien ça. Mais le comportement de PHTK après l'assassinat montre que, tout au moins, l'assassinat de Jovenel Moïse est un bon débarras. C'est-à-dire que, moi, je connais que ça n'a pas de l'édit en rien pour eux. Au point que, au Balouin, la justice pour le mettre mandat de Ligny Balthazar, par exemple. Et jusqu'à jeudi, il faut nous demander tête nous, comment une question mandat ça les résoudre avec le président du PHTK. Donc, il faut nous comprendre ça tout. Donc, c'est-à-dire que moi, par contre, si il y a de raison, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Dès qu'on a ambiguïté là-dedans, j'ai été cité nos lignes là-dedans. Peut-être que nous avons retourné sur ça, on l'autre. C'est la justice qui peut établir ça. Maintenant, si vous comprenez bien, je vais vous expliquer là, et Dr. Joseph, avec Ariel Henry au pouvoir, on ne peut pas espérer que la justice soit capable de gagner une certaine indépendance pour le faire travailler. Ce n'est pas moi qui crois ça, c'est moi que vous-même, comme journaliste, avisé, population qui a suivi la réalité politique là, il est clair. Avec Ariel Henry au pouvoir, pas gagné aucune chance pour Jovenel Moïse jouer une justice. Et bien, écoutez, c'est la femme du président même qui a porté plainte contre le Premier ministre pour sa participation présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce n'est pas moi-même qui ai inventé, ou même comme journaliste. Donc, les madame mon président, le DCPJ et les toutes enquêtes qui sont faites par des institutions et différentes et converger vers un même bagage, eh bien, donc nous seulement obtenons la justice pour agir. Moi, je demande une précision. Où est le Premier ministre, en ce moment de la durée, où tu es venu en posture pour te conserver le pouvoir, parce que tu as des politiques, c'est comme nous avons un appui de la communauté internationale au départ, que tu as venu perdu avec le dernier tweet, quoi groupe FEA, qui pral fait Ariel Henry, 20 juillet, prend pouvoir. Avec assurance pour qu'on t'a prêté dans le gouvernement et en ce moment de la durée, où tu es dans le gouvernement. Alors, pour ce groupe, on finit avec la question. Hein? Et ce n'est pas vous-même qui démissionnez, c'est changer ou venir changer le gouvernement et que vous remplacez. À quel moment de la durée, vous venez que Ariel Henry sont obstacle et pour pendant tes ministres ou bien à pour finir par le ministre encore? Bon, écoutez, sous ta suite, toute action, on voit que toute action a mené vers Ariel. D'abord, je vais me retourner. Mm. Pendant que je suis ministre, je me suis contraint pour moi passer le pouvoir avec Ariel. Ce sentiment d'abnégation, l'ira à la caille et leader politique en Haïti, moi je pensais après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est au moment d'union d'entente nationale. Et pas de aucune velléité, si deux équipes pouvoir, je suis venu, je suis venu, je suis venu, la police quand même, je suis venu, je suis pouvoir. Et par un tweet corps groupe qui n'a pas le fait que je suis venu pouvoir. En vente tout corps groupe là, tu as une négociation qui a fait pour même constituer le gouvernement. Le gouvernement est presque fini de constituer. En vente tout corps groupe là, pour faire passation avec Ariel Henry. Donc, ça, c'est peut-être une information en plus que Mbao. Mais, et deuxièmement, nous passer pouvoir avec Ariel Henry sans pas connaître rien sous implication présumée dans l'assassinat. Vous ne connaissez pas de monde qui te connaît d'ailleurs. Ce n'est pas moi seulement non. Je pense que le monde qui te connaît, c'est le monde qui mélange. Mais DCPJ, beaucoup font une enquête, rapport a beaucoup fini, etc. Donc pas de monde qui connaît. Mais deuxièmement,
j'ai provoqué, et vous êtes capable de dire écarté dans le gouvernement, parce que j'étais un irritant dans le gouvernement. Puisque moi-même, je n'ai pas confiance avec moi, puisque ça qui, tout ça m'a fait, c'est parler de justice pour Jovenel Moïse. Alors, vous devez faire une rébellion dans le premier conseil des ministres. Bien sûr, bon, on va pas changer ça. Dans le premier conseil des ministres, ce n'est pas rébellion. Moi, campé face avec deux mondes, nous commençons à suspecter qu'il y a un assassinat. Dans le premier conseil et gouvernement qui fait là, première action Ariel Henry pour le prendre, c'est pour les défaire, pour l'autre arrêter, pour lui rapporter et décret sous ANIA, service d'intelligence. Et là, on va le dire Ariel Henry, écoutez, comme nous sommes opposés, l'opposition est opposée avec ANIA, il ne faut nous pas bailler et perception que je dis à c'est même monde qui était opposé avec le président Jovenel Moïse qui prend pouvoir et puis qui a défait tout ça, héritage Jovenel Moïse. Moi, je dis par exemple, moi, qui a réfléchi à un contrefactuel. Si ANIA était effectif et agence d'intelligence était effectif, très probablement, Jovenel Moïse n'est capable de mourir. Parce que comment la République dominicaine fait une agence d'intelligence, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné une. Donc, moi, j'étais campé, c'était le premier bras de fer que je défais avec Ariel. Et là, ça, on ne intéressé avec une question de job. Alors, il faut qu'on suive l'histoire dans le gouvernement. Pas intéressé avec une question de job. Moi, j'étais campé et effectivement, j'étais campé sous décision de Paul Brun. Et depuis lors, j'étais l'homme à abattre. Mais malheureusement, je n'ai pas peur. Moi, j'étais continué à foncer. Et tout ça, je connais qu'à déranger le gouvernement dans la question de justice. Ça, c'est le limite fait. L'arrestation de Samir Randal. Les DCPJ contacté comme ministre des Affaires étrangères, moi fait arrêter Samir Randal la Turquie, la primature. T'es fâché. Parce que vous n'avez pas à comprendre que je prends des décisions comme ça. L'homme fait OEA prend des dispositions même pour vous parler de enquête Jovenel Moïse non, et des dispositions que pour nos résolutions. La primature va content. Samir Randal, premier dossier, c'est au Témoudel ou bien? Alors, pas de premier dossier. Faut que nous te voyons, ce n'est pas le premier dossier. Pour que nous arrêtions Samir Randal, il faut que nous te voyons de Red Notice, Notice Rouge Interpol. Là. Donc c'est moi qui te travaille ça aller. Maintenant, le premier dossier qui écrit sous question ça, c'est le ministère de la Justice avec le ministère des Affaires étrangères. Et dans le dossier ça, moi j'ai là, qui c'est 19 pages, mais le dossier ça, 19 pages liées, que vous voyez, gagné de façon délibérée de documents envoyés par Turquie et pays la Turquie pour y faire pays la Turquie par accorder des demandes d'extradition. Par exemple, bon lettre que moi gain là, ça sont lettres que Gary Aurélien adressé avec ministre d'Orsay. Gary Aurélien, juge d'instruction. Juge d'instruction. Lettre ça adressée le 8 décembre à ministre d'Orsay. Lettre ça, Gary Aurélien dit ministre d'Orsay que justice haïtienne fait face à des obstacles. Par exemple, Colombien, il ne peut pas attendre parce qu'il n'y a pas d'avocat. Et document ça, ministère des Affaires étrangères, traduit en turc, livré le bail, pays la Turquie. Soit un document pas rien à ouais avec extradition Samir Randal, lui, seulement qu'a expliqué le problème la justice ça bon. C'est un bagage interne. C'est un bagage interne, mais qu'on y a ouvré le bail pays la Turquie. Et Mbaka dit c'est Dorsey qui fait. Pour qui ça? Parce que dans le document que Dorsey voué par le ministère des Affaires étrangères là, ou après là, il y a deux pages, côté Dorsey dit l'important pour le ministre des Affaires étrangères pour avocature pour travailler sous dossier. Ou à quitter le dossier sans monde. Moi, je l'aime de ce dossier, bon, je l'aime de ce l'aime de là, l'aime fait arrêter Samir Randal. Parce que dans pas comment qui est Samir Randal là. Mais il y a un rapport de CPJ, il y a un mandat d'amener, il y a un autre souche d'elle. Les CPJ contactent parce que vous pensez que mieux de contact là-dessus qui me fait. Mais tout de suite, il y a des agents de CPJ qui viennent côté, non seulement je n'ai pas de passeport, moi, je suis en faire un jeune visa, etc., pour lutter à le prendre Samir Randal. Mais même tantôt, Dr. Joseph, il faut regarder. Samir Randal, on te dit, à mes pas trop intéressé avec tout, non? Bon. Parce qu'il passe du transit aux États-Unis pour y aller en Turquie. Bon, ça, moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Ça qui est important pour moi,
on pas connait si Sami Andala et on pas un problème avec Sami Andala et ça lui est important. Moi j'ai un problème peut-être avec la justice qui pas fait travail et tout gens on est caillé quel que soit monde qui nommé dans bail ça comme monde qui présumé assassin président Jovenel Moïse, moi t'a remis qu'il y a la disposition de la justice. Si Sami Andala pas rien pour avec la justice tout pour que ça la pourri. Autour vous êtes menacé par situation ça. Bon, c'est une situation qui est préoccupée et pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est parce que, évidemment, on était impliqué dans l'arrestation de Sami Andala. Et si Sami Andala, effectivement, c'est une assassin présumé, pays qui a un corps dans le monde, donc il y a tout le bagage qui est capable de faire. Donc, ça veut dire que moi-même, moi, je suis préoccupé. Mais ça va veut dire que je m'a quitté la bataille pour justice pour le président Jovenel Moïse, parce que je crois que je pas capable de tuer un président. Parce qu'on est désaccord avec lui, parce que les gains de position que la prend, qui dérangeait un petit groupe en Abéia, qui croit que c'est eux-mêmes qui mettent pays. On a un regroupement qui est les Jovenel Moïse. C'est bon parti politique, non? Jovenel Moïse. Mon cher, moi-même, moi, et c'est un Jovenel Moïse dans l'âme, c'est-à-dire que moi, adhéré à la cause de Jovenel Moïse. Et c'est ça qui est plus important pour moi. Il est parti politique? Non, il n'est pas parti politique. Okay. Alors, ça pas parti politique. Est-ce qu'il y a des activités qu'on a fait pour marquer un an depuis l'assassinat du président? Il y a plusieurs activités qu'on a fait. Nous va participer là-dedans? Non. Écoutez, ça c'est de la provocation pure et simple. À qui titre qu'un premier ministre qui est impliqué dans l'assassinat, ou bien présumé dans l'assassinat au président, pour l'organiser? C'est de la provocation. C'est la provocation pure et simple et la lettre, la note de l'ancienne première dame est claire là-dessus. Donc, c'est-à-dire que, et ça, c'est, on va me répondre sous lit. Mais effectivement, les alliés, le peuple haïtien, et les partisans, la famille de Jovenel Moïse, eux-mêmes, ils ont organisé des activités. Et bien, le peuple là, on était capable de dire toute l'attitude pour organiser plusieurs activités. Non, je joue à cette là. Vous dites Jovenel Moïse, c'est pas un parti politique, mais vous n'avez pas l'ajouter que cependant. Non, on n'a pas l'ajouter. Comment? Bon, la structure politique qui marche avec Jovenel Moïse. Non, par contre. Parce qu'en même temps, tout vous avez un monde qui est en campagne, qui a fait TV de temps en temps là, vous retrouvez. Moi, j'avais un petit bagage. Vous aimez ça? Il y a une façon pour assassin intimider mon gouvernement de justice. Pour ça vous dit, ah, mon cher, monsieur en campagne. Monsieur en campagne, premièrement, c'est Douam, comme dans la campagne pour le président. Tout soit haïtien du pays. Nous sommes ministres affaires étrangères pour le ministre, mon cas président. Et ce n'est pas un problème. Maintenant, président, ce n'est pas à la faveur de son peuple qui peut voter. Bon, peut-être que c'est pas des charges. C'est des charges. Oui. C'est des charges, évidemment. Donc, Ariel Henry, il a sans décharge. Il n'y a pas quelqu'un qui a sans décharge. Et si vous ne pouvez pas choisir un conseil électoral provisoire, mais ça, c'est notre débat. OK? Moi-même, ça qui intéresse, c'est. La justice pour le président Jovenel Moïse. Et si nous devons faire politique, et c'est politique pour me faire, si nous devons faire politique pour me bailler le président Jovenel Moïse, justice m'a fait politique. Mais c'est politique qu'on fait là. Évidemment, parce que, écoutez, parce que enquête là, c'est politiquement bloqué. Quand il y a, si on est prêt à une intimidation, deux mouns qui disent, mon cher, monsieur, c'est quand pas l'affaire, on va le faire. Parce que toute velléité et volonté qui a assassiné le président Jovenel Moïse, c'est à souhaiter M. Swan Bali. Et là, il y a utilisé... Pour tout notre crime. C'est pour tout notre crime. Oui, évidemment. Mm. Pour tout notre crime. Donc, c'est à souhaiter que nous ne pas parler. Qui est-ce? Nous finissons, nous allons arriver, lumière, je me dis, qui est-ce qui a été introduit par Jovenel Moïse? Mon cher... C'est pour monde qui est même nous nous te connaissons pas la fonction de la même sphère. Alors, forme d'où que... Nous sommes professeur aux États-Unis, nous sommes sur politique. Dans un premier temps, pas oublier que moi-même, et question PHTK, c'est pas de bail que nous apprécié par rapport avec... Ben, m'apprécié, ou des contre-propositions contre évidemment. Et, mais... Ah ben, mon saisi ou non, on a PHTK? Alors, ce que... Non, pas dans PHTK, non. Ben, dans PHTK, non. Ben, mon saisi ou on a pouvoir PHTK? Non, pas dans pouvoir PHTK. Ou des ministres pour pouvoir PHTK. Ok, bon, on va l'expliquer. Qui t'a l'expliquer? Donc, on va prendre position pour le président Jovenel Moïse, pas pour le président Jovenel Moïse, mais l'aime remarquer, effectivement, qu'on abus, qu'on blocage qu'a fait... Première élection gâtée, mais deuxième élection, M. Gagnon, vrai. Et comme ça, si c'est map suivre le reportage dans la radio, moi, j'ai plus ou moins une représentation dans l'échantillon représentatif devant, mon côté, M. fait 50% plus 1 dans l'élection. Et puis, moi, fait un texte, et me dit que Jovenel Moïse, si tendance à arrêter comme ça, M. a président, premier tour.
Et là, ça, tout le monde n'a pas de problème avec moi, etc. Parce que je me dis ça, mais c'est un statisticien qui a parlé. Et moi, pas gagné de contact de président Jovenel Moïse, effectivement, et par des amis, dont c'est un chef de cabinet, et de l'autre monde qui est important, et dans la Chambre des députés, etc. Donc, on va le retourner, gagner un contact président Jovenel Moïse. Mais je me rappelle que mes amis qui étaient menés côté président Jovenel Moïse, et puis les amis sont allés, et je vais expliquer les amis ça après. Samia dit, et Jovenel Moïse, je pense que c'est lui-même qui fait mon connerie. C'est où que tu n'as pas représenté le pays dans la Banque mondiale? Je dis, président, ah, donc quoi? Mon qui fait une proposition, ça, l'un des professeurs aux États-Unis, il pensait que ce n'est pas vrai. Le président dit, oui, parce que tu as des petits problèmes, etc. Donc, nous sommes venus ensemble avec le président, on a parlé, etc. Donc, nous venons bien. Mais, il y a un bail qui caractérise mon politique. On ne va jamais deux côtés à la fois. Depuis mon cause, mon là-dedans, Jovenel Moïse était convaincu qu'il avait une cause. Et on était dans la cause. Ça veut dire ça, Jovenel Moïse, ou pas dans le BHTK, ou pas dans le pouvoir BHTK? Eh bien, c'est ça que fait Robinson et pour nous. C'est ça qu'on voulait faire nous faire là, parce que. Oui, non, mais c'est ça que fait. Parce que Jovenel Moïse, c'est BHTK. Oui, écoutez, c'est moi qui ai inventé ce concept de jovenelisme. Je suis un jovenaliste. C'est parce que moi-même, personnellement, je devais faire démarcation avec le président de origine parti politique côté LDA. Et un jour, la parole avec parce que je dis que je connais écrit de bagarre. Il me dit, bien, écoutez, monsieur le président, je suis un jovenaliste. Et à ce moment, il était content. Il me dit, je suis un jovenaliste. Et il m'explique, monsieur, pourquoi ça, monsieur jovenaliste? Et il me dit, monsieur, voilà ma thèse doctorale. Vous n'êtes pas content. Hein? Vous n'êtes pas content. Est-ce que tu es content? Vous n'êtes pas content. Vous êtes froidiste. Monsieur Robinsoniste. Non, mais effectivement, moi, j'ai adhéré avec la cause de Jovenel Moïse. Hein, avec te, et c'est pourquoi, et monsieur, j'ai même non blague ou tape dit, mon cher, qui m'a dit, mon ministre, ça fait très cher ton coup. Parce que, avec Jovenel Moïse comme ministre des Affaires étrangères, il n'y avait pas deux ministres ou trois qui défendaient Jovenel Moïse au même titre que moi-même. Et je défendais des principes, pas Jovenel Moïse. Je défendais ce qu'on appelle la pédagogie de l'alternance politique en Haïti. On tape défendre échéance constitutionnelle, etc. On tape défendre question constitution. On tape défendre un ensemble de causes et la capture de l'État, etc. Donc c'était, et c'est moi-même qui était là, je vous disais, sans changer. Et on va le bon dernier bagage pour nous finir. Les jeux pour aller démissionner, il y en a qui comme ça, deux mois avant, mais un mois avant, que je ne pas prêter. Moi, je ne vais pas dire parce que moi, avec jeux, je comme ça. Vraiment comme ça. Hein? Et nous trouvons un coup de chapeau pour jeux de capitaine d'émission. Ça, c'est la capitaine de l'émission. On fait campagne pour une bonne ministre. Il y a des qui, non seulement dans le business avec le président Jovenel Moïse, mais bons amis Jovenel Moïse, plus passé, qui connaît plus longtemps passé, qui a fait campagne pour une bonne ministre. Mais Jovenel Moïse m'a choisi. Donc, je vais faire ça, lui, on m'a fait tout pour l'autre émission pour ouais. Venir parler de Sorelé Jourdainista héritage. Li. Parce que, en même temps, tout. Vous rappelez mes émissions comme ça, tout le monde. Pas pour conclure, s'il vous plaît. Mais en même temps, tout, Ray Jovenel Moïse, Ray PHTK, on ne peut pas dire que c'est Jovenel Moïse, pour contre lui, c'est Ray PHTK, 10-11 ans qui mettait ce pays dans la situation de là. Son construit, qui étendait son trentaine, son quarantaine d'années. Mais, pays avait une tombée en chute libre avec Ray PHTK, qui pratiquement gangsterisé le pays, Jovenel Moïse, qui pratiquement torpillé toutes les situations qui sont dans le pays. Depuis sorti sous parlement janvier 2020 pour passer dans et la justice pour prendre et toute l'autre décision qui gagne Grazel. Maintenant, nous t'avons fait l'autre émission sur ça pour défendre position et par rapport à Jovenel Moïse, comment tu as un héritage et un héritage solide dans Jovenel Moïse. Nous retournons dans l'autre émission et Dr. Joseph nous parler de ça. Vous avez environ 30 minutes, 30 secondes pour que vous concluiez. Merci parce que vous avez vu l'émission. Hein. Merci. Mon cher, merci parce que vous avez invité. Mais quittez-nous donc. Jed Wilmé n'a pas commencé, je ne vais pas prendre défense PHTK, mais Jed Wilmé n'a pas commencé avec PHTK. Donc vraiment, gangsterisation, zone reculée, je n'ai pas commencé avec PHTK. Je suis content, vous dites, ils sont construits de remonter à les dernières et 30. Non, objectivement, c'est clair. Faut ouais, oui, ça, c'est clair. Mais Jovenel, on était capable de dire, un président qui soutient de York, qui n'a pas de contre dans la capitale là, il joue un héritage qui est lourd, il joue un héritage qui est extrêmement lourd. Et il a bataille pour le défaire de l'héritage ça. Et c'est conséquence, et c'est bataille ça qui fait que je dis, avec tout courage, les gars,
gen ek ki pran exil ki kou, etc. Men msye li men li brave danger, yo assassinel. Et mande justice pou président Jovenel Moïse, pa mande justice. Mande justice pou président Jovenel Moïse, pa mande justice tout simplement pou famini, se mande justice pou population haïtienne nan, pou tout si moun ki leve en dehors. Et paske yo a l'école, on se constance fermé le président nan peyi a, et yo pren de position, yo pa suppose et assassiner yo pou sa. Et ou e assassin yo, yo mette photo Jovenel Moïse yo, jan yo tsuye la dehors, c'est tout simplement pou yo di, écoutez, nous même navire président là faut faire un peu l'attention depuis nous attaquer gros intérêt mais qu'on on a passé ces mêmes jours avec Jovenel Moïse. En tout cas c'est bien compté mal calculé, moi je crois que le PTG Jovenel Moïse que j'ai pas non capable clé. Merci beaucoup docteur Joseph. Merci un peu. Merci on vous recevoir ici capuit qui est ensemble avec nous, on a croisé notre lèvre, on l'a sorti. Bonsoir.